Alors ici, on est à la ferme Sainte-Colombe, en Seine-et-Marne. On élève des vaches laitières de race montbéliarde. Et on est là avec Nicolas, donc mon époux, depuis 2 ans maintenant. Et avec le bon lait qu'on fait en agriculture biologique, on transforme quasiment la totalité de notre production en fromage de brie et produits laitiers frais. La particularité, je dirais, de nos fromages, c'est que voilà, ce sont des fromages qui sont faits avec le lait de nos vaches sur la ferme, en lait cru. Donc, c'est-à-dire que notre lait est travaillé à température de la traite. Il n'y a pas on n'abîme pas le lait en le stérilisant ou en le pasteurisant. Sont présents dans le lait tous les ferments naturels, vraiment endémiques à la ferme. Donc, les fromages qu'on fait chez nous, ils correspondent vraiment à notre terroir, à ce qu'on peut avoir de présent dans notre environnement, dans l'environnement de la ferme, dans nos prés et dans l'herbe que les vaches vont ingérer. Les bactéries qui vont être dans le fromage derrière, c'est les bactéries qui sont aussi présentes sur le pied des vaches, dans le lait, etc. Et donc tout ça va participer à la typicité vraiment de nos fromages. Associé sur la fromagerie à des affineurs de fromage. On fabrique les fromages ensemble ici sur la ferme. Eux en affinent une partie et nous on en affine une autre partie, à peu près 50-50. Et au final, à la fin de l'affinage, on n'a pas le même produit. Bon, si je prends l'exemple des bris de Coulommiers, on va les affiner 5, 6, voire 7 semaines, jusqu'à 8 semaines. On a des fromages qui sont parfaitement faits à cœur. Chaque fromage est unique. Un fromage qui va être en bas, il ne va pas s'affiner en bas d'une pile, il ne va pas s'affiner de la même manière que celui qui est en haut. Donc du coup, on va au toucher, au moment de la retourne, on va tâter le fromage et on va s'apercevoir que celui-ci, en bas, il y a un peu trop d'humidité, ça manque un petit peu de ventilation, donc on va le mettre sur le haut de la pile. On va réguler l'affinage grâce à l'action manuelle. Et donc voilà, chaque fromage a vraiment son histoire dans la cave. Donc on est habitué, bien souvent, on connaît tous le brie. Quand on l'affine 5-6 semaines, on a effectivement souvent ce petit duvet blanc. Et après, avec le développement de la flore, on va avoir un fromage qui va tirer plus vers le rouge, qui va foncer de plus en plus. Et au bout d'un moment, on va avoir des artisans qui vont venir grignoter la croûte. Et là, on va passer du brie parfaitement affiné à cœur, comme on a l'habitude, au brie noir, ce qu'on appelle le brie noir. Qu'est-ce que c'est le brie noir? C'est un fromage qui a plus de 6 mois d'affinage. Donc on passe bien de 5-6 semaines d'affinage à plus de 6 mois d'affinage. Et on peut le vendre jusqu'à un an et demi. Le fromage sera toujours très bon pour la santé, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on va développer des saveurs et des goûts qui sont complètement différents. Alors on peut le consommer comme ça. Traditionnellement, le brie noir, c'est consommé au petit déjeuner avec un café, sur du pain avec du beurre. Le beurre va venir adoucir un petit peu le côté un peu puissant du fromage. Et derrière, on va retrouver surtout les notes aromatiques qui vont venir bien réveiller le matin et donner plein de plaisir pour démarrer la journée. On avait depuis pas mal de temps l'idée de travailler ensemble dans l'agriculture. Voilà, moi je suis issu du milieu agricole, mon père a une ferme pas très loin d'ici. Moi avant d'être agricultrice, j'étais éducatrice auprès de personnes avec un handicap mental. Voilà, en fait, nous, on voulait vraiment que nos deux métiers de base se rejoignent. Alors très concrètement, on ne sait pas comment... vers quoi on arrivera à terme dans 5, 10, 15 ans. Mais aujourd'hui, ça commence par des petites choses. On a créé une association aussi avec des amis. Donc on accueille des personnes de temps en temps le week-end.
chez nous, dans notre maison. Et après, il y a d'autres accueils qui se passent, comme par exemple le mercredi, on a une équipe d'un foyer d'accueil médicalisé qui vient nous aider dans notre journée. Pour moi, l'objectif, c'est que les animaux soient dehors l'extrême majeure partie de l'année. La problématique, c'est pas pour les animaux, c'est plus pour le terrain. Parce que si on a un sol qui n'est pas ressuyé et qu'on a trop de marques sur le sol, on risque d'abîmer l'herbe. Et derrière, l'herbe risque de ne pas repartir et donc on va perdre de l'herbe et de la quantité d'herbe. Et donc du coup, perdre en quantité de lait et en santé pour les animaux. Et après, l'idée, c'est à l'automne, pareil, de les laisser le plus longtemps possible dehors. Là, ça fait 2 ans que je rentre au 1er décembre. Donc cet hiver, j'ai gardé les génisses à l'extérieur. Elles avaient un accès au bâtiment pour pouvoir venir manger et dormir, histoire que s'il pleuve tout le temps ou que s'il fasse trop froid, etc., elles puissent quand même se mettre à avoir un abri. Mais j'étais un petit peu court en place dans le bâtiment, donc je me suis dit, on va leur laisser un espace extérieur. Et puis au niveau de la santé, pour moi, les vaches qui vont dehors, elles sont en plein air, au grand air, elles respirent et elles sont bien. Et que quand il y avait de la neige, elles ont pas voulu sortir, elles ont juste été voir un petit peu. Elles sortaient 5-10 minutes et elles rentraient directement. Les vaches l'hiver, donc comme je le disais, on ne peut pas les sortir dans les prés. Donc là, elles vont avoir une alimentation sensiblement différente. Bien que ça va rester en grande majeure partie de l'herbe, sauf que ce sera de l'herbe qu'on aura stockée. Donc du coup, on l'aura stockée sous forme de foin. Après, pour améliorer un petit peu la production d'herbe, on va donner un petit complément en céréales. Ces céréales, c'est pareil, c'est des céréales qu'on aura cultivées ici sur la ferme. Donc nous, on aime bien ici le mélange triticale-pois. Le triticale, c'est une céréale qui va nous apporter pas mal d'énergie. Et les pois, c'est une légumineuse qui va nous rapporter plus de l'azote et de la protéine. Donc ça nous permet d'équilibrer la ration et voilà, de pouvoir maintenir en hiver un taux de production suffisant. Alors on commercialise nos produits principalement en circuit court. Déjà parce qu'on a une petite production et aussi pour nos valeurs, parce que nous, ça nous fait du bien de voir qui va manger notre fromage. Alors par la vente directe à la ferme et après, on livre quelques AMAP en région parisienne. Donc là aussi, c'est l'occasion de discuter avec le consommateur et que lui puisse discuter aussi avec nous. Il y a une relation quand même qui se crée et qui est quand même assez, pour nous, assez riche.